quand on a 15 ans, on ne sait pas forcément après ce qu'on veut faire. À la première inauguration du store à Creil, nous avons été sélectionnés donc pour la promotion. Et c'est là où tout a commencé. On a appris en fait à faire tout ce qui est métier dans la mode et le retail, aussi bien la couture que le numérique. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pris goût aussi à tout ce qui est couture, mais également broderie. Il y avait quand même une certaine discipline dans la couture, en fait. Il faut garder son calme et savoir un peu ce qu'on fait, enfin, surtout pour les techniques. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait des créations parce que j'en fais énormément, j'en fais pour des clients. J'avais pas forcément la confiance en moi que j'ai maintenant. Moi, je trouve ça super que ça commence à s'agrandir et pas une association qui commençait en fait depuis rien puisse s'agrandir en fait. C'est un truc de dingue, on n'y pense pas, mais quand on vit la chose en fait, on se dit c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer, de se construire.